difficile à situer Tifongo. Il s'est imposé à Maison Lafitte assez facilement. Et derrière, il est parti à Vichy courir une dé. Et bon, rien. Grandissime favori ce jour-là. Et il n'a pas pu répondre présent. Peut-être le voyage, peut-être l'hippodrome. La piste, peut-être aussi. La piste. Ah, toujours est-il qu'Alex Pantal, de F à D, est passé ici au groupe 3. Et c'est parti pour cette cinquième course. C'est le groupe du jour, le prix Thomas Brion avec Maradini, le numéro 1, qui se retrouve à l'arrière-garde d'un peloton qui est emmené par le favori, le numéro 2, Aptal. Alors qu'en deuxième position, galope le numéro 6, French 15, qui reste sur une série de 4 victoires consécutives. On retrouve ensuite notamment à la corde et patientant Maradini qui s'est maintenant rapproché avec le numéro 3, High School, qui est à l'extérieur, 4e. On retrouve la pouliche, le numéro 7, Regina Egina, qui est en 5e position avec le numéro 4, Tifongo, et le numéro 5, Cadini, qui est à l'arrière-garde. Aptal avec Maxime Guyon qui montre le chemin. Fred Schlimstein qui est en 2e position. High School à l'extérieur est 3e. Maradini est en 4e position à la corde avec Regina Edgina à son extérieur qui est en 5e position devant le numéro 5, Cadini. Et toujours le numéro 4, Tifongo qui ferme la marche. Le tournant final avec Aptal qui a les commandes devant High School qui est 2e en 3e position à la corde. Toujours le 6, Fred Schlimstein en 4e position. Regina Edgina qui est dans le sillage d'High School en 5e position à la corde. Maradini avec le numéro 5, Cadini, qui vient toujours à l'arrière-garde, 6e, et en dernière position, le 4, Tifongo. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec Aptal, le 2 à l'extérieur, le 3, High School en 3e position, le 6, French 15 en 4e position, Regina Edgina avec en 5e position à la corde, toujours Maradini qui vient encore avec le numéro 5, Cadini, et toujours Tifongo qui est à l'arrière-garde. Entrée maintenant de la dernière ligne droite à 500 mètres du but. Aptal, quel avantage, réaccélérant maintenant devant le numéro 3, High School avec en 3e position, French 15, Regina Edgina qui refait du terrain, accompagné encore par le numéro 5, Cadini, alors que Maradini tente de refaire du terrain maintenant à 200 mètres du but. Aptal, quel avantage, avec en 2e position, High School, Regina Edgina qui vient, accompagné encore par le numéro 5, Cadini, Maradini également qui tente de progresser à l'extérieur. Aptal qui va s'imposer ici nettement, s'imposant d'ailleurs de bout en bout. La victoire pour Aptal. La 2e place peut-être pour French 15 devant High School, Tifongo, Maradini, Regina Edgina. 2-6-3 pour l'arrivée du Thomas Brion et la victoire pour Aptal, le numéro 2 présenté par Jean-Claude Rouget. Ça fait 3 sorties, 2 victoires, une 2e place pour le représentant de la Casa Camdam Al Maktoum, piloté ici par Maxime Guyon. Aptal s'impose de toute une classe. La 2e place sans net retrait pour le numéro 6, French 15, présenté par Nicolas Clément. La 3e place pour le numéro 3, conservé à la corde, High School. L'autre cheval très en vue de l'épreuve, Maradini, est 4e. Et la 5e place pour le 4, Tifongo. Bon, mais il y avait Aptal et les autres. Ah oui, il est allé devant sans problème, il a repoussé toutes les attaques. Hein. Bon.